Donc là, c'est un exemple de l'application Signatis intégrée directement dans un e-banking. Donc vous avez un onglet Documents où vous allez justement avoir tous vos documents qui sont en attente de signature. Là, vous pouvez cliquer donc sur le To be signed et vous allez avoir un document qui demande votre signature. Vous allez pouvoir le prévisualiser et le signer en cliquant sur le bouton Procéder. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, vous devez mettre votre mot de passe personnel. Et soumettre la demande de signature du document. Le document est ensuite signé et vous pouvez voir la signature électronique du document au bas de la page. Vous pouvez aussi également ajouter une signature visuelle, mais cela sera seulement esthétique. La valeur légale ici, c'est le certificat qualifié de votre signature, qui vous permet d'être sûr de la personne qui a signé, que le document n'a pas été modifié, et il y a également un système d'horodatage.